Alors, coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous, il est 4 heures, direction travail. Je fais cette vidéo tout simplement pour réveiller les paresseux, les fainéants qui dorment encore. Et je félicite ceux qui travaillent, ceux qui se réveillent tôt le matin. Les collègues qui travaillent, bravo à vous. Continuez comme ça parce que nous avons quitté le pays pour venir en France chercher la vie. Nous ne sommes pas venus ici pour faire les audios de WhatsApp. Parce que depuis que les Congolais ont découvert WhatsApp, vraiment, surtout les lâches, leur fusil spécial, c'est WhatsApp. Mais moi, je salue les gens qui travaillent comme Divin Terminator. Je salue les gens qui travaillent comme le Chaf Chafino. Depuis que je l'ai connu, il travaille toujours. Je salue comment elle s'appelle, Rosine La Rosa, la seule fille qui est née à Paris. Elle travaille tout le temps. Sans oublier mon grand frère propre, ma bâche la fanfare. Hein? Il était en CDI pendant 5 ans. Là, aujourd'hui, il est passé en intérim. Bravo, grand frère. Je salue ma femme, Teresa de Brésienne. Elle travaille toujours depuis qu'elle est venue en France. Il faut travailler. Je salue Emma Lundu depuis Blois. Elle aime le travail. Elle travaille à l'hôpital. Hein? Elle fait les soins des mamies et des papilles. Je salue Stegui Matondo, mon petit frère propre depuis Blois. Il a fait une formation pour s'occuper des mamies et des papilles. C'est un garçon, mais elle nettoie les fesses des hommes, des papis et des mamies. Tous les jours, Stegui, il voit les chattes des mamies. La critiquer, mais c'est comme un gynécologue. Stegui Matondo. Il a au moins 27 ans, mais tous les jours, il nettoie les fesses des mamies et des papis. Il gagne bien sa vie. Il est dans la fonction publique. Il travaille à l'hôpital de Blois. C'est ça, il faut aller travailler. Parce que les Congolais n'aiment pas travailler. Ils sont toujours là à bouffer la CAF, RSA, RMI. Nous, là, on bosse. Là, c'est parti. On va commencer à 5h. Jusqu'à 13h. Hein? Alors, tous ceux qui travaillent, le peuple vous aime. Alors, hier, c'était mercredi, le 1er mai. Bonne fête à vous, les travailleurs. Donc, le peuple présent vous aime. Je profite au maximum de saluer la fille de la première dame. Non, la fille du premier ministre, Clément Mwamba. C'était ton anniversaire, il y a 4 jours. Joyeux anniversaire à toi en retard. Le peuple brésilien t'aime. Je salue Maza TV depuis Pointe-Noire. Le directeur Maza TV. Le pays t'aime. Sans oublier et le riche Mobimba, le Fichuara. Je salue le grand Paul Freddy, le doyen Paul Freddy, l'homme à la barbuche. Je salue David Levouirigimpa. Alors mes amis, ceux qui sont déjà debout ce matin, ceux qui ont commencé à 4h, ceux qui ont commencé à 5h et ceux qui vont commencer à 6h, bonne journée à vous. Sans oublier ceux qui vont commencer à 8h et ceux qui vont commencer à 13h jusqu'à 21h et ceux qui travaillent la nuit, bon courage à vous. Dommage ceux qui sont en prison, les prisonniers, dommage. Parce que la prison, elle est faite pour tout le monde. Ça peut arriver à moi, ça peut arriver à toi. Courage à vous, les prisonniers. Bon courage ceux qui sont à l'hôpital. C'est la vie, hein. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, pour tomber malade. Il y a un temps pour s'amuser. Et il y a un temps pour le travail. Voilà. Donc nous, c'est le temps pour aller chercher de l'argent, pour s'occuper de nous, les besoins de nos familles, les besoins. Alors, j'étais pas tout seul. J'étais avec ma bâche la fanfare. Il est au volant. Bon, mes amis, bisous. Affaire à suivre.